Salut à tous, c'est Florent, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon Project Roblox. Alors comme vous pouvez le voir, je suis devant le centre Pokémon du premier village, toujours. Je ne suis pas encore au la route 2. Alors, j'ai constaté un défaut de la première vidéo, c'est que quand j'affronte un Pokémon que ce soit en fuite ou alors dans un véritable combat, vous m'entendez pas à cause de la musique au fond. Ce n'est pas compliqué. Je ne dirai rien pendant les scènes de combat et tout. Si j'ai juste un truc à le dire, je le dirai après. Sur ce, on continue. La team, hein, vous voyez, hein, change pas. Mon starter. Et les 4 Pokémon que j'attrape à la route 1. Dont on va dire, je pense, la Palmar Pikachu. J'en suis assez très très fier. Donc. On va aller à la route tout de suite 22 parce que normalement il y a le premier combat à faire. Enfin, la première fois je devrais affronter mon rival. Tiens, bon. Nickel, tout ça c'est nickel. J'aime bien acheter des Pokéballs par contre. Si c'est possible. Ah oui, d'accord, on peut avoir des Master Ball direct. Master Ball, Poké de 1. 60 Robux, oui, d'accord, ils se font pas chier, ça coûte cher. C'est 4 jours, quand même, de cadeaux d'argent réel qu'on te donne, quand même. C'est vrai qu'après, ça peut être utile, par exemple, si tu sais qu'il y a bientôt un légendaire, t'achètes une Master Ball, t'es tranquille, mais bon, voilà, quoi. Ça vaut pas ce prix, honnêtement. Ah oui, d'accord, on peut déjà avoir des trucs cheatés dès le début en fait, d'accord. Ah ouais, ah, carrément. Voilà, j'en ai besoin de 3, voilà. Putain, l'argent là-dedans, il t'en a pas beaucoup, hein. Pas facile. Bon, tout de suite, on va aller à la route 22 affronter pour la première fois le rival. Normalement, ça devrait être dans cette zone. Si je connais bien. J'ai muté la musique. Je vais fuir. Non, ça c'était un Pokémon sauvage. Ah, il y a un mur invisible, c'est fait exprès pour le contourner. Ah, c'est qu'on n'est pas censé rencontrer tout de suite. Bien étrange. Ah, c'est pas fait pareil que. Ah, c'est pas fait pareil que dans le jeu. Normalement, pour les connaisseurs, vous avez quelque chose. Hein, une porte. Si vous avez tous les badges, vous pouvez passer pour vous diriger directement vers la route victoire. Mais là, non, il n'y a rien. Il y a une personne, je pense que c'est rival par contre. Voilà, c'est lui. Bon allez, hein.
Bon, j'ai eu un peu de chance quand même d'avoir fait un coup critique rapidement. N'empêche, oui, effectivement, mes Pokémon sont vraiment loin d'être prêts quand même. Hein. Ah, j'étais pas chaud de marcher d'aller au terme. Non, même pas. Bon, pas tranquille alors. Excellent, quick attack pour Rattata. Nickel ça, c'est nickel, je suis assez content. Tiens, tiens, étrange. Donc ce n'est pas par là qu'on peut se diriger vers la route victoire, à moins qu'elle n'existe tout simplement pas. Ou le jeu n'est pas terminé, parce que vous voyez, c'est une version 7.14, enfin 714, je sais pas quoi. Je ne sais pas si à l'heure actuelle ce jeu est terminé. Donc nous allons soigner nos Pokémon. Pikachu s'est bien battu mais beaucoup trop faible. Je me suis pas rendu compte qu'il était au niveau 5. J'ai cru beaucoup plus. J'ai sous-estimé le level de mon adversaire dès le départ. On va entraîner Pikachu. Pikachu, personnellement, je ne le ferai jamais évoluer. Sauf si je peux pas l'en empêcher. Enfin, je l'espère quand même. J'aimerais beaucoup rencontrer un chenipan puis le capturer aussi. Voilà. Et là, ce serait ma dream team de starter. Enfin, de départ, on va dire. Sur ce, voilà. C'est parti. On s'aventure à la route 2. World 2. C'est parti. Ah, un combat dès le départ. Ok. Voilà, nickel, premier combat. Bon, j'ai pris un petit coup critique, hein. Ça a fait mal. Oui, ok. On peut passer à travers cette fois, ok. Alors là, normalement, voilà, on devrait arriver vers le parc Safari, je crois. Oui, mais comment on monte? Mais lol. Ah, ok, j'avais pas vu le chemin. D'accord, bon, ils appellent ça autrement là-dedans, c'est Viridian Forest. Bonjour monsieur. Oh, par contre, ce n'est pas du tout un labyrinthe. Contrairement à la version, on va dire.
Bleu rouge jaune qui est vraiment un labyrinthe d'origine, même s'il est simple, je m'étais repéré pratiquement du premier coup quand j'étais gamin. Là, il n'y a pas vraiment. Ah, je sais plus si. Oh, il fait. Je sais pas s'il fait tout le temps armure comme dans. Oh, je préfère jouer à prudence. Parce que s'il fait tout le temps armure, je voudrais bien laisser Pikachu, mais je suis pas sûr. Donc, je vais le changer. Oh lol, la paralysie marche. Donc, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, Quenelle. On remet la musique. Alors, ah oui, easy, purée, contrairement, ouais, le début ça ressemble, mais vraiment non, quoi. Là c'est easy cheesy. Ah, on est obligé de marcher dans, bon ma foi, j'espère rencontrer un. J'allais dire j'espère rencontrer un chenipan, puis regardez, j'adore le hasard. Mon petit chenipan, ah j'ai peur de le faire trop mal. Je réfléchis une seconde. Ah, aïe 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 aïe. Ah, il a des attaques charges, je crois. Bon, on va prendre ça. Oh, cool. Allez. Oui, une attaque normale. Doucement. Oh, d'accord. Bien, je n'y pense. Ouh. Ah, purée. On va commencer quand même. Oh, je pense que c'est quand même. Ah bah voilà, nickel, du premier coup. Ah, mais ok, d'accord! J'ai compris comment c'est fait. Oh, mais d'accord. Est-ce qu'on peut pas passer à travers? Bon, là, je peux largement éviter l'herbe. Mais bon, ça n'empêche pas que mes Pokémon auraient besoin d'être entraînés quand même, donc on va pas fuir. Puis, je suis pas du genre à fuir en plus. Ah, mon bon chenipan. T'as besoin d'être entraîné. Car le level 3, mon pauvre vieux. On va pas faire long feu sinon. Sachant que j'aimerais bien te voir en papillusion, donc on va go réagir, n'est-ce pas, mon chéri? Tiens, tiens. Y a rien. Ok.
Ah, je me demande s'il n'y a pas tout le temps armure. On va essayer quand même. Allez, on va essayer quand même. J'espère qu'il a tout le temps armure. Oh yes, a priori c'est que de ça. Oh, je suis tranquille alors. Allez, tu vas faire tout ça, chenille, pour comme un grand. Par contre, ça va être long. Nickel! Mon petit chenipan! Bien, bien, bien! Ah, il y a encore un petit combat. S'il a que armure, je serais content d'autre. Alors, apparaît, s'il te plaît. Lol, ok. Ridicule. 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 Bon, bah. Bon, ça la mèche. Hein. Écoute. Ah, quoique, j'aurais peut-être pas dû mettre lui en fait. J'aurais dû en mettre un plus faible, genre niveau 6-7. Pourquoi je pense direct à mon petit ça la mèche que j'adore tant? Surtout qu'il voulait un Dracaufeu. Smash Bros. 3DS. Dracaufeu! Trop lol les voix. Ouais, ça me rapporte peu de points. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon. Mais lol. Pikachu, ça te dirait de t'entraîner? C'est parti. Bonjour. Ok. Bon, bah normalement, voilà, nous arrivons au deuxième village. Enfin, on va dire plutôt au troisième. Ok. Voilà, nous avons la première arène Pokémon. Bon, les villages, oui, vous allez me dire, c'est quand même pas terrible. Il n'y a pas d'habitation. C'est que je trouve très fortement dommage. C'est dommage. Mais avant de combattre ce gros dresseur
Pokémon qui est le premier boss, et on va devoir bien entraîner nos Pokémon d'abord. Ce qui est quand même balèze pour un premier boss. Allez, c'est parti, go entraîner nos Pokémon. Bon, combat facile, chenipan qui esquive deux fois. Yeah! Bon, j'ai fait une petite bêtise, j'ai laissé Chenipan, alors que je savais qu'il y avait un petit risque. Enfin bon, c'est pas grave, ça prend quelques secondes à soigner. Bon, le jour peut se lever, oui. J'ai l'impression qu'il fait plus nuit que jour, c'est un peu chiant. Continue à entraîner le Pokémon. Car dans le prochain épisode, je tenterai de battre le premier boss. Mais tout d'abord, rien que l'entraînement. L'entraînement et l'entraînement. Vous savez bien ça. Ah ouais, mais la défense de Chenipan elle est vraiment faible en fait. La défense de mon Chenipan est vraiment faible.
se prend deux petits coups, hein. C'est un Pokémon de niveau 2, il est... sachant que mon prochain point est niveau 5, il est déjà moitié KO, mais d'accord. Il est pas très costaud. Il y a vraiment effectivement besoin d'entraînement, j'aimerais bien le faire passer au niveau 6-7. Super coup critique du Pikachu, bravo. Nickel. Nickel, nickel. Bon. Instant, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Si vous trouvez ça nul l'entraînement, désolé, mais dans Pokémon, des fois, il n'y a vraiment pas le choix pour progresser. Surtout que le premier boss, il a des Pokémon pour un niveau qui est quand même assez élevé, je trouve, quand même, pour un début. Sur Pokémon bleu, rouge, jaune, je sais qu'ils ont 10 et 12. 10, 12, je crois. Donc, entraînement sérieux obligé. Ah.
Pas mal de Pokémon par ici sont pas très intéressants. Vers la forêt, il me semble qu'il y en a qui étaient pas trop mal. Sauvegarde, voilà. Un peu long sauvegarde quand on est dedans. Merci. Ah, là il fait jour, vous voyez, et il y a quand même une différence. C'est très l'entraînement. Oui, faut que tu continues de t'entraîner, je n'y pense pas. Pikachu niveau 7 au prochain combat, intéressant.
Bon, c'est nickel tout ça, ça commence à devenir correct. Oula, où est-ce que je vais? Bien, écoutez les amis, hein, c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est le deuxième épisode. Au prochain épisode, va falloir encore entraîner nos Pokémon. Et j'espère également, durant le prochain épisode, battre le premier champion d'arène. Bye tout le monde! À la Nikos. Je sauvegarde avant.